تعرفوا نجموا نلموهم الافكار بتاع اليوم الكل نجموا يعطيو حاجه طايره على الاخر. المشروع مش واحد مش ما يحلمش باش يعمل مشروع ويكون سيد امره كما نقولوا. تخيل مثلا نلموا الفكره بتاع سلويرا اللي بكري مع جون جاك تو. عندي منشيره قلم ومنشيره بريه. تحب قلم في بريه؟ تخيلوا تخيلوا صف قلمات. ان توكا في تونس المشكلة أفضل الفكرة التنفيذ التنفيذ نتاع الفكرة. المشكلة في الماركتينغ يقول لك اقرا المارشي شوف شنو الكليون تاعك يحب. صوره لنا بكري برشا كليونات شو يحب شو يحب تاكل برشا سكر باهي برشا شنو تحب تسمع انت برشا مزود وممكن زاد شوية راي وكان عملت معك نوزية جورج وصوف اش تحب تشوف نحبها بلندة وطويلة وزعرة وما تقولش كلمتين خويا. معناها في تونس كانك تحب تخلق ما تسمعش المرشي لازمك تعمل كيما عملت ستيف جوبز على طول لازمك تخلق برشا ايبادات فمش مرشي لكن انت tu crées de la valeur en nivelant par le haut لازمك تشبد المرشي بشويه بشويه خاطر مازال ماهوش ان مارشي مور كومبليتمون الله غل لكن سافا اريفي اليوم عندنا لي بروبورسيون تاع رافيهم قديمين هنا عباد اللي ممكن تنجم تدخل لهم لكن المرشي باش تنجم تنجح في مرشي صغير في 11 مليون عبد بعد ما تلقى الفكره اللي تواتي الناس هذوما الكل. ان توكا توا باش نحكيو على الانترنت ونعرف توما سي ان سوجي بالطبيعه بالنسبه ليكم توما سونسيبل برشا. دايوغ مش عارف كيفاش عملتوا باش تكتبوا بوان كوم تيديكس انسي بوان كوم الناس تتحارب عليها وهما جماعه اللي عندهم هنا. سي معاذ شقشوق تنجم يقول لنا البي دي جي نتاع لا تي سي معاذ شقشوق اللي باش يكون الانترفونون سبيكر نتاعنا توا. Your life is just to live your life inside the world. Try not to bash into the walls too much. Try to have a nice family life. Have fun. Save a little money. That's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. Once you learn that, you'll never be the same again. When you grow up, you tend to... En tout cas, dans ma extension, je dis, d'accord, j'ai pas d'année, mais je suis marqué bien, vous انا كي سمعت بها قلت في نتخيل كم مش تعملها تي دي اكس بوان اكس بوان اكس بوان اكس نزلت كي خرجت بوان اكس 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 صحيح راهي موجودة وبدات في فرنسا توا يستغلوا فيها يلا مو هذا الشخص شوف بدي جيت لدي بوان اكس 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 بوان دي سبيساليتي باك انت لا بون بونجور Je suis très content de commencer par cette vidéo parce que j'ai cru que c'est une vidéo qui mérite d'être mise en ampleur. C'est vrai que Steve Jobs n'est pas barbu, mais bon, il est mort récemment. Et je pense que c'est un message qu'il a voulu donner avant, mais c'est un message qui reste toujours valable. Aujourd'hui, si on veut transformer notre vie, il faut qu'on travaille, il faut qu'on croie en nous, et en même temps, il faut de la bonne volonté de transformer les choses. C'est vrai qu'on parle de chez une société transformation, remodeler, il y a pas mal de choses qu'on peut remodeler, on peut transformer aujourd'hui, et surtout l'Internet. Donc je pars du modèle. C'est quelque chose qui est très important, qui nous tient à cœur, surtout que ce sont des idées aussi qui se sont venues avant la révolution et qui continuent à l'être. Bon, aujourd'hui ce qui est important aussi, c'est que si vous voulez changer la vie, ou changer vos vies, en fait, il faut que vous travaillez et vous innovez. Parce qu'ils ne sont pas plus intelligents que vous, c'est ce qu'il a dit, Steve Jobs, mais il faut qu'on croit en nous, en fait. Et on a beaucoup de capacités de faire changer les choses. Merci. Bon. Si on parle un peu de l'Internet en Tunisie avant la Révolution, en fait, il y avait un modèle unique. Moi, je travaillais au ministère, je travaillais dans l'autorité de régulation, et quand on parle du modèle Internet, je dis, bon, c'est un modèle unique, il n'existe pas dans le monde, donc là, ce sera quelque chose qu'à raconter. Mais c'est aussi assez complexe parce qu'il y a beaucoup de barrières. En fait, il y a beaucoup de barrières entre société civile, entre gouvernement, entre les utilisateurs d'Internet en sens général, et également même dans le modèle de régulation. Je vais en parler ça après. Également, il y a beaucoup de contraintes.
quand on veut développer et qu'on veut investir en Tunisie par rapport à l'Internet, on en parle beaucoup de contraintes, y compris la censure, y compris le passage par la TI, y compris les ventes domaines, bon, je vais citer le point .com, mais je sais que c'est le point .tn plutôt, également dans Amar 404 qui était vraiment marqué la Tunisie avant la révolution, et surtout marqué la TI. Moi, quand j'ai accepté la mission de la TI, c'était aussi pour moi un challenge, parce que je savais que j'étais chargé avant la révolution déjà de travailler sur la retransformation du modèle Internet. Donc c'est un dossier que je connais. Mais avec la donne Amar 404, franchement, avant, c'était quelque chose d'impossible. Il faut mieux l'ignorer et continuer à travailler. Bon. Après la révolution, la donne a changé, parce que là, il faut inverser. Commencer par Amar 404, puis après, remonter dans la chaîne. Jusqu'à avoir changé le modèle unique, parce que c'est là ce qu'il faut. L'Internet, c'est pas juste uniquement la Tunisie, c'est tout le monde. Donc il ne faut pas garder un modèle unique. Cette photo, c'est vrai que c'est Slim Ahmed, en fait c'est un ami, c'est le premier blogueur que j'ai rencontré en Tunisie. Avant, et c'était en novembre 2010, c'est-à-dire pas vraiment avant la révolution. Et cette photo qui est pour moi, c'était très symbolique, parce que c'est on voit l'agence tunisienne d'Internet, aujourd'hui le Ben Ali, qui meurt pas d'un certain moment, fait exprès sa femme. Et également la voiture du PDG, il y a un bel jardin, mais il y a 404 qui est marqué. Donc toute une entreprise. Ça n'a rien à dire que 24 heures sur 24, pour surveiller l'Internet, voilà, pour voir la qualité d'Internet, il se résume en 404, trois chiffres. Ça m'a marqué. Franchement, en voyant cette photo-là, je lui ai dit, quelqu'un qui vient devant la type, marquer le 404 comme ça, c'est pour marquer l'erreur 404 qui s'affiche. Franchement, quel gâchis pour l'Internet et pour la type. Et donc, pour revenir à ça, bon, voilà la technique. Te bloquer comme Slim, donc tu vois. 404 à l'arrivée. Voilà. Donc là, pour changer, j'ai essayé de voir par rapport à Amar 404, et on a vu cette affiche-là qui est très belle, on voit Ben Ali avec le Amar 404 qui prend le ciseau, et c'était la campagne Har al-Amar. Et ce qui est bizarre, que je n'ai jamais entendu parler, quand, pourtant j'ai travaillé au ministère en tant que conseiller du ministre. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué aussi. On n'a jamais entendu parler de ça parce que c'était censuré. Ce genre de truc, c'était censuré. Et nous, on travaillait au ministère, on travaille pour le gouvernement, on ne cherche pas à avoir accès aux informations qui sont censurées. Pour nous, c'est clair, c'est les dossiers qu'on va gérer d'une manière pragmatique et intègre. On ne cherche pas à avoir des choses qui sont liées à la politique. Parce que si on fouille un peu, soit qu'on nous fait, on se fait de mal, soit qu'on essaye aussi de voir des choses qui ne vont pas vraiment être par rapport à notre vie professionnelle intéressante. Et donc c'est dommage pour moi, parce que là, en découvrant ça, je me suis dit, ben, la révolution se préparait depuis le 22 mai. Hein. Parce que là, on voit bien que les gens qui couraient, bon, il y avait une autre affiche qui montre aussi des gens qui attaquaient Amar 404, et c'est quelque chose qui, à mon avis, qui devait être toujours mis en valeur, cette date-là. Puis, il y a Saïd Salah. Moi, je découvre ça aussi, et par hasard, je vois le patron que vous connaissez en tout moment, peut-être Facebook, qui est là et qui marque ce message-là, et aussi met avec le Mac ici. Donc, franchement, c'est quelque chose de innovant. Donc là, la communauté se met en marche pour innover en même temps, parce que là, c'est des mots c'est des campagnes qui ont marqué l'Internet de la Tunisie. On ne va pas l'oublier, même si la censure aujourd'hui n'est plus active au niveau de la TIM, mais personnellement, ça doit être mis en valeur. Et la communauté, lorsqu'elle a fait ça, à mon avis, elle a innové aussi. Et donc, elle a dit de porter ce portable et regarde son message avec ce. C'est quelque chose qu'il a fait et qui a contribué à battre ce Amar 404. Puis, quelque chose que je considère très important, parce que c'est le moment où on a vu que tout le système, il est vulnérable. Malgré la complexité, malgré les contraintes réglementaires, tous les trucs se sont. Quand tout le monde a essayé de créer cette légion d'Anonymous et d'attaquer la TI, et surtout les sites benali.tn et carthage.tn, qui étaient des sites symboliques. Moi, je regardais ici ces sites-là fréquemment pour voir les messages, pour voir les PV, mais en rangement, en voyant ces sites attaqués, j'ai dit, bah, ils ont attaqué le régime, c'est clair. Là, c'est un message de révolutionnaire, et c'est quelque chose qu'on doit garder pour nous, pour notre avenir. Et ça mérite toujours parce que d'être redit, parce que c'est des informaticiens, c'est des simples hackers. Et si on dit des hackers aujourd'hui, on dit non, c'est contre la loi. Mais non,
Bon, j'ai parlé avec des hackerspace récemment et on leur dit, écoutez, les hackers sont très importants pour nos entreprises. Moi, j'aimerais bien travailler avec des hackers pour qu'ils me conseillent, pour qu'ils conseillent la TI. On paye beaucoup d'argent à des auditeurs, à des entreprises qui viennent nous conseiller. Mais parfois, un simple hacker, comme ceux qui hackerspace ou aussi qui ont contribué à Anonymous, pourront changer la donne. Et franchement, c'est quelque chose qu'on doit mériter d'être aussi rappelé. Marwan Benzinger, moi j'ai jamais entendu parler de ce nom avant. Et c'est qu'après la révolution qu'on a entendu quelqu'un qui a kidnappé parce qu'il a hacké, quelqu'un d'ainsi d'ailleurs, qui a hacké le PC de l'ordinateur du président en 80. C'est quelque chose à ne pas oublier. Oui, merci. Bien sûr, j'ai dit merci. Et après, il y a la janvier 14, le 14 janvier. Et ici, tout le monde a dit oui, il n'y a plus d'art, c'est fini, il n'y a plus de censure, Amal 404, c'est fini, madame le président, la TI va être détruite, et c'est fini. Mais en même temps, quelles sont les actions qui ont été menées réellement par la communauté? Moi, j'ai rien noté, franchement. Il n'y a plus Amal, il n'y a plus Saïf Sadr, il n'y a plus l'optimisme, il n'y a plus Nahar. C'est comme si ça y est, on a gagné, c'est fini, on oublie. Mais réellement, si vous regardez tous ces hashtags, et vous regardez la communauté internationale, comment aujourd'hui ils se battent pour la liberté de l'Internet, c'est quelque chose à ne pas rater. Parce qu'on parle du SOPA, on parle du Net Freedom, de Protect IP, il y a pas mal de hashtags que j'ai mis ici, et que juste personnellement je les suis, parce qu'il faut qu'on soit, qu'on reste toujours actif par rapport à ça. L'Internet, c'est pas uniquement la Tunisie, il y a Amal 404. Amal 404, c'est un symbole tunisien. Aujourd'hui, tout le monde le connaît. Il faut qu'on continue à travailler et également à faire connaître ce slogan et ces hashtags et contribuer par la société civile à permettre un Internet libre, un Internet neutre et un Internet sans contraintes politiques ni des dispositions qui vont vraiment affaiblir les opportunités, les immenses opportunités qu'on a. Et également un truc, parce qu'on parle beaucoup de censure en Tunisie, les médias ils s'intéressent beaucoup. Moi j'ai fait alors des tonnes de conférences et des interviews, et franchement ça me fatigue aussi. Hein. C'est pas facile de faire des interviews et de parler aux journalistes aujourd'hui. Parfois on supporte ça, mais franchement c'est très fatigant. Mais on parle uniquement de la censure, mais il y a un truc qui est très important qui a été dit ce matin. Ce qu'on appelle la privacy, la protection de données personnelles. Et c'est quelque chose de fondamental. Si aujourd'hui on s'occupe uniquement de l'accès, de l'accès, de l'accès, mais si on accède, en fait, on laisse notre vie privée. Il y a tonnes de Tunisiens aujourd'hui, beaucoup de Tunisiens aujourd'hui qui accèdent à Facebook et qui mettent des choses, des conneries, des choses pareilles, et en même temps, ils s'exposent. Et en s'exposant aussi, ils créent un système qui est aujourd'hui très contesté à l'échelle nationale, parce qu'il y a pas mal de diffamation, il va confirmer tout à l'heure, c'est vrai. On le constate. Et cette diffamation, elle provoque la censure. Parce que là, si on regarde les ordres qu'on a eus à l'ATI à cause de ces diffamations, franchement, j'aimerais bien exposer les chiffres un jour. Et je vais le faire. Par contre, il faut vraiment qu'on comprenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas uniquement la censure. Il faut comprendre que la censure n'est pas venue comme ça. Parce que Ben Ali a voulu censurer. Parce qu'il y a un modèle. Le modèle, pas uniquement le modèle d'un pays, ou d'un pays démocratique ou pas, mais aussi un modèle d'Internet. Il ne faut pas qu'on cherche à créer quelque chose qui ne ressemble pas et qui reste unique dans le monde. Il faut qu'on essaye de comprendre le modèle le plus simple et de mettre en œuvre le modèle le plus simple qui est compris par tout le monde et qui, en toute transparence. Voilà. Donc, pour moi, Internet in Tunisia after the revolution, en deux mots, en fait, il faut changer le modèle. C'est clair, et c'est ce que j'ai essayé de faire en niveau de la TI, pas tout seul, mais avec tout le monde, parce que travailler seul, ça sert à rien. Mais comment? C'est ça la question en fait qui se pose, et franchement, c'est pas uniquement la TI qui va vous dire comment. La TI ne pourra pas dire comment, ni dire quelles sont les choses à faire. Parce que, en fait, remodeler, c'est pas facile. Remodeler, c'est un art. C'est quelqu'un qui essaye de remodeler ou transformer quelque chose, il faut vraiment qu'il s'y mette pour transformer. Et je pense que la question par rapport à ça, c'est quand toujours on a un cadre, et ce cadre-là, ça limite notre liberté en fait, mais ce cadre-là, en même temps, on doit être libre de dessiner au sein de ce cadre-là et montrer aux autres
notre travail. Donc Lati a son propre cadre. Moi, personnellement, j'ai aussi mon cadre à dessiner. Vous, chacun de vous, en fait, a un propre cadre et il devrait vraiment dessiner. Ce n'est pas quelque chose qui est simple, mais on doit s'y mettre. Et ici, donc, je peux dire la question, qui est le peintre, en fait, tout le monde sont des peintres. Pour la Tunisie, ce n'est pas pour soi-même, parce que l'intérêt général suppose que vous devez faire ça pour avoir un Internet libre demain. Tout le monde doit contribuer. Ce n'est pas uniquement l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire d'une institution, ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement, ce n'est pas l'affaire d'un parti politique. Non, c'est l'affaire de tous les Tunisiens, parce que vous êtes concernés par ça. Et par rapport à ça, bon, avant de finir, d'ailleurs il me reste 5 minutes, bon, j'étais assez rapide, mais je vais essayer de m'étaler ici, c'est que, qu'on a parlé de la société civile, le rôle de la société civile, mais quelque chose qui, vu ma formation d'ailleurs, parce que là j'ai travaillé, mon expérience plutôt, j'ai travaillé dans le domaine de la régulation, et je pense que la régulation c'est un point important. Et ça, par transformer le modèle, il faut qu'on pense à mettre des cadres réglementaires qui sont adéquats, primo, mais aussi des institutions indépendantes ou des instances indépendantes qui doivent réguler le secteur. Bon, on dit Internet, c'est libre, il ne faut pas trop réguler, oui, mais il y a des choses à réguler, comme l'infrastructure. Il y a aujourd'hui des instances un peu partout, en Tunisie même, en France, il y a pas mal d'instances qui régulent Internet, mais franchement, il faut qu'on pense à un modèle où il y a la convergence, parce que tout passerait par Internet demain. Et si tout passera par Internet demain, il faut que aussi le mode de régulation change. Parce que parler des médias ou parler d'Internet aujourd'hui, pour moi c'est pareil. Parler de contenu ou parler de réseau, c'est lié. On ne peut pas diviser les deux. Moi j'ai toujours appris avant la révolution. Voilà, nous on s'occupe du ministère des technologies de la communication, ou technologies de l'information et de la communication aujourd'hui. On s'occupe uniquement de l'infrastructure. On doit offrir l'accès. Bon, c'est bien. Mais le contenu, ah non, 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 ça c'est le ministère de l'information ou de la communication. Deux ministères qui portent à peu près le même nom et qui n'ont rien à voir. Un qui intéresse les médias, les journalistes, les radios, les TV et tout ça, parce que c'est le contenu. Et l'autre c'est uniquement l'accès. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait la TI entre les deux? Ah, c'est simple, on met la TCE dans l'actionnariat de la TI. 13% du capital de la TI est détenu par la TCE qui est disparu. Et donc du coup, là, il y a le lien pour l'Internet. Donc ça, c'est un modèle qui est devenu assez archaïque et qui ne sert à rien, qui nous a ramené la censure d'ailleurs. Mais c'est simple par rapport à ça, il faut qu'on crée une autorité, une nouvelle autorité, qui rassemblerait toutes les autorités aujourd'hui. Parce qu'on a aujourd'hui une autorité comme la CNIL en Tunisie, pour la protection des données personnelles. On a une autorité qui est l'INT, je suis un ancien INT d'ailleurs, l'autorité de régulation des télécommunications. Il y a aussi d'autres autorités qui vont voir le jour aujourd'hui, parce qu'il y a c'est Kamel Darbidi qui pousse tous les jours pour avoir cette autorité qui régule les médias. Moi, franchement, je suis contre avoir une seule autorité, avoir plusieurs autorités avec des barrières entre eux. Mais c'est les cadres réglementaires qui vont avoir ces barrières. Donc, je suis pour avoir une seule autorité convergente qui ne devrait pas être un rêve, parce qu'on me dit, écoute, en Tunisie, hein, le système politique, on n'est pas pour, il faut mieux créer plusieurs autorités, c'est simple à gérer. Et tout ça. Non, il faut créer une autorité convergente qui soit indépendante, qui est forte, et qui permettrait de respecter tout le cadre réglementaire et contrôlerait différents acteurs d'une manière indépendante. Et du coup, à part avec ça, on va diviser, on va supprimer les barrières. Parce qu'aujourd'hui, j'étais à une conférence deux jours avant, c'était 4e en fait, et j'ai vu le gap entre ceux qui font la technologie, comme moi d'ailleurs, et les gens qui font la presse et les médias. Quand on parle d'Internet, pour eux, ah, l'Internet, ah, non, non, Facebook. Mais c'est pas vrai. On réduit tout le réseau Internet, tous les services Internet à Facebook. Franchement, en Tunisie, ça fait mal au cœur. Parce qu'aujourd'hui, un point TN, ça coûte 3 fois rien. Développer un site web, c'est accessible à tout le monde. Avoir accès à l'innovation et créer des entreprises, c'est aussi accessible à tout le monde. Qu'est-ce qu'on attend? On attend un deuxième Steve Jobs tunisien, ça qui ne viendra jamais d'ailleurs. Un Superman tunisien qui va dire, voilà, moi je vais créer l'orange au lieu de la pomme. Franchement, ça ne viendra jamais. C'est à vous, étudiants aujourd'hui, mais vous devrez œuvrer avec la société civile, avec les différentes institutions publiques ou privées, hein, c'est pareil. Ensemble, on pourra changer. Ensemble, on pourra
vraiment avoir un Internet qui permettrait de vous donner plein d'opportunités. Et donc, pour finir, le message, je vais le dire en anglais, mais c'est quelque chose que, comme on est concerné, et dans ce système, on doit être engagé pour le développement d'Internet. Donc, c'est le message qui m'a marqué, en fait, parce que dire, voilà, on a ici la TI, aujourd'hui, elle a changé de logo, elle a changé de PDG, elle a changé de... Il y a pas mal de choses qui ont changé à la TI, c'est vrai, mais bon, moi, je suis très fier aujourd'hui d'avoir contribué à ça, mais c'est pas moi uniquement, c'est tous les employés qui ont travaillé avec moi, qui ont cru à ce changement-là. Et j'espère que, ce travail peut continuer. Et je pense qu'il y a beaucoup de volonté pour changer, mais en même temps, il faut qu'on œuvre tout le monde ensemble. Parce que une seule institution, comme la TI aujourd'hui, elle ne pourra pas vous garantir la liberté de l'Internet dans l'avenir. Une seule agence ne pourra pas gouverner l'Internet comme elle s'est fait avant. Une seule agence ne pourra pas aussi l'Internet. Parce que moi, je reçois des tweets tous les jours, tous les soirs parfois, de dire, voilà, la qualité, le réseau ne marche pas, et c'est la TI. C'est pas grave. Oublions ces slogans, oublions la TI par rapport à ça. La TI, elle joue son rôle. Et je pense que c'est chacun de nous doit aussi jouer notre rôle. Le rôle. Et je pense que par rapport à ça, on pourra avancer. Merci. Voilà.